Bienvenue pour cette nouvelle soirée placée sous le signe de la boxe. Ici Christian Delcourt, en compagnie comme toujours de... Monsieur Jean-Claude Boutier. Jean-Claude, ce soir, Mohamed Ali fait face à un fausse garde. Ça vous inspire quoi? Vous savez, il n'y a pas grand-chose qui puisse déstabiliser Mohamed Ali. Grâce à son coup d'œil, à sa mobilité, il devrait trouver les bons appuis et l'ouverture pour placer sa droite et l'uppercut droit si nécessaire. Allez, c'est bien! Belle fluidité sur ses deux coups. Allez, on arrive pile poil à la moitié de cette reprise. C'est dans les gants. Allez, mais il en donne aussi. Il relève sa garde et part ce coup au corps. Et un, et deux, c'est bon. Il a besoin de souffler, c'est pour ça qu'il cherche l'accrochage. Il a été touché, mais il touche à son tour. Il revient avec une gauche qui touche. Bel enchaînement, deux coups à la suite. Et voilà la fin d'une reprise rondement menée. On imagine que son entraîneur doit être très satisfait. Ça, difficile de demander plus à un boxeur. Puissant, précis, efficace, rien à redire. Il réplique, il est là, il est bien là. La droite bien vissée par-dessus. Allez, allez. Zone qui place un jab précis. Change de coup là, la gauche qui part. Il reçoit, mais il sait aussi donner. Touche au corps. Même les coups au corps n'arrivent pas. Super défense. Il se fait toucher, mais il touche à son tour. Jean-Claude, la boxe, c'est un sport dur. Ce n'est pas donné à tout le monde quand même. Oui, par exemple, on voit rarement des boxeurs qui viennent des beaux quartiers. Il faut avoir parfois envie de s'en sortir, de se surpasser par rapport à une existence qui n'a pas été forcément facile. Certains espèrent améliorer leurs conditions, cherchent à exister, à être connus. Et d'autres veulent tout simplement imiter leur idole. Oui, c'est bloqué. Oh, il remise avec cette gauche. Allez, encore 10 secondes à tenir dans cette deuxième reprise. Oui, il va marquer, lui aussi, avec cette gauche.
Nous voilà à la fin du round et on espère que l'entraîneur va faire comprendre à son poulain qu'il doit absolument soigner sa défense. Malheureusement, il aurait fallu le faire comprendre à l'entraînement avant qu'il ne monte sur le ring. Oui, parce que maintenant, c'est un peu tard tout ça. Bien joué. C'est fait. Allez, c'est le moment d'aller au charbon. Allez, reste au contact. C'est un régal, il défend admirablement bien Jean-Claude. Effectivement, sa technique défensive est au point. Aucun doute là-dessus, ça lui ouvre des possibilités de contre. Oui, il a touché avec les deux. Une belle droite au visage, on sent qu'il cherche à appuyer les coups. Faut se protéger le visage là. Quelques secondes et nous serons bientôt à la moitié de cette troisième reprise. Il utilise bien le jab là avec deux coups à la suite. Tentative de coup en haut, ça manque de précision tout ça. Uppercut, ouais! À l'intérieur, dans la cheminée! J'espère pas, trop statique tout ça! Avec les mains bien hautes, les coups touchent moins souvent. Comment a-t-il paré ce coup? Plus que 10 secondes dans ce troisième round. Qui dicte le rythme là? C'est pas bon ça. Impose-toi. Contre-lui qui t'es là. Tu cherches à t'approcher, ok? T'avances et tu travailles au corps. Prépare quelque chose. Oui, les deux coups. Ce n'est peut-être pas un contre-orné, mais là, il y a quand même matière à faire de belles choses, non Jean-Claude? Ah si, je suis tout à fait d'accord avec vous. Son adversaire s'expose énormément et lui se contente d'attendre. Mais contre le bon temps. La remise qui touche. Il le travaille au corps. Allez, hop, en bas. Il est touché, il réplique. Encore 1 minute 30 dans ce quatrième round. Et le voilà qui remise. Un direct du droit qui brasse de l'air. La remise, la gauche, bien placée. Le crochet en haut, ça touche. Allez, esquive et tu viens à l'intérieur. Continue. Et l'effort. Ça
c'est bloqué. Un coup qui n'arrive pas. Secondes avant la fin de ce round. Oui, bien vu le contre. Voilà, ce round est terminé et il faut bien avouer que nous avons devant nous un boxeur d'une précision remarquable. Ouais, il a fait mouche à tous les coups. C'est impressionnant. Pas mal, reste au contact, ne laisse pas casser la distance. Il touche deux fois là. Une accélération avec la gauche. Là, il risque de faire mal. Oui, son adversaire ne peut plus reculer. Un grand classique, le jab doublé. Il lève bien les mains pour éviter les coups en haut. Bonne protection du corps, c'est bloqué. Il touche, en contre. Allez, nous sommes exactement à la moitié du round. Un crochet qui touche en haut, c'est bien. Allez, remise, c'est bien. Il encaisse et répond par une bonne gauche. Super cut qui va laisser des traces. Et belle riposte là. Il dort de portée et peut travailler sereinement maintenant. La gauche, belle riposte. L'horloge qui tourne et il reste accroché. Tentative de crochet, c'est loupé. Utilise ton jab. Allez. Il encaisse, mais il place une bonne gauche derrière. Voilà, c'est ce qui s'appelle défendre. C'est bientôt la fin du round 5. Fin de la reprise. Eh bien, on doit dire qu'on a rarement vu un boxeur aussi efficace. Il est vraiment très fort, mais à mon avis, il est un peu trop prudent. Ok, ses coups sont précis, mais il laisse trop de répit à son adversaire. Vous voulez dire que ça pourrait lui jouer des tours ? Possible, on verra plus tard. Il cherche en haut, mais il brasse encore de l'air. Jolie droite, pleine face. Il l'a stoppé, tant mieux pour lui. Il visait le foie, mais c'est raté. La zone d'impact se situe juste au-dessus de la ceinture. Superbe parade alors que les coups pleuvent. Voilà, ça fait déjà 1 minute 30 dans ce sixième round. L'accrochage lui permet de récupérer. Il encaisse, mais il touche à son tour. L'adversaire visé en bas, mais c'est bloqué. Le 1-2 qui va bien.
joli. Deux jabs qui font mouche. Les deux qui passent. C'est bien ça, il remise intelligemment. Le coup au visage, bien bloqué. Droite, bien senti. On t'a gardé là, je découvre. C'est le faire ça, non? Allez, allez, reprends-toi. Je laisse pas partir, d'accord? Tu vas lui marcher dessus. Tant que tu restes encore un corps, il peut rien faire. Et les crochets qui partent, les crochets qui touchent. Va falloir qu'il soigne la précision. Défie-toi de son crochet. Oui, ça part vite tout ça. Allez. Direct du droit. Allez, bonhomme. Oui, ça c'est de la boxe. Belle remise. Ils se rendent coup pour coup, mais quel échange! Allez, plus qu'une minute trente dans cette septième reprise. Superbe, le percut en retour. Du percut, pas convaincant tout ça. La gauche qui touche aussi. Quelle défense encore. Et le percut. Allez, frappe. En bas. Quelle parade, ça partait droit vers la pointe du menton. On approche de la fin du septième round. Le septième round arrive à son terme. Bon, on va faire aller ça. Tu montes au créneau. Ça, t'as tout ça. Huitième reprise, et à votre large sourire, Jean-Claude, il est sur la bonne voie. Effectivement, ses coups portent. Il est bien dans son combat, bien dans sa boxe. Il ne manque plus qu'un petit chaos pour que tout soit parfait. Histoire d'asseoir définitivement sa domination. Au direct du gauche, en fausse garde. Cache la distance, allez. Pas assez précis. La remise, la gauche qui touche. Deux boxeurs qui se rendent coup pour coup. C'est bien bloqué. Des coups, mais il en donne aussi. C'est bien, il se préserve. Oui, il compte. Voilà à mi-chemin dans ce huitième round, frappant sans succès. Continue de travailler.
sacré bras droit pour ce beau. Une belle droite, très propre. Il est sonné là. Mais il arrive à gagner du temps. Il s'accroche. Good jab, pleine face. Allez, c'est bien. Il garde les mains bien haut, c'est plus facile. Il est bien en place défensivement. Il cherche la tête, mais c'est raté. Tiens de ton jab pour casser la distance, et là tu balances ta droite, d'accord? Et tu prends le jab. La garde reste bien en place. Il a été touché, mais il touche à son tour. Il cherche à travailler au corps sans réussite. Utilise ton jab. Allez. Protège-toi, bon sang. Allez, t'es pas mal. Belle défense là. Il revient avec une gauche qui touche. À 10 secondes dans ce 9e round. Encore un coup au visage paré. Oui, il enchaîne bien. Là, la gauche qui part. Quelle lucidité après ce coup pour placer sa droite. Reste bien compact. Il touche en haut avec sa droite. Oh, il remise avec cette gauche. Et voilà la fin d'une reprise très animée, Jean-Claude. Les spectateurs doivent être ravis. Ouais, c'est sûr que ces deux boxeurs ont un style très spectaculaire. Un vrai bonheur. Travailler en haut sans succès. Il réplique, il est là, il est bien là. Allez, c'est bien. Il ne le lâche plus. Les deux touches, quel échange Jean-Claude. Rapproche-toi. Rentre un peu tes mains. Bien bloqué. Il a décidé de l'accrocher.
défense haute gêne son adversaire, il vise la tête. Le but. Non, non, raté. Allez, il est sur pied après ce knockdown. Que doit-il faire désormais, Jean-Claude ? C'est dur, hein, il doit rester à distance. Et s'il a encore des jambes, s'accrocher, venir encore à corps et gagner du temps. Il a touché deux fois. Bien défendu. Respire bien. Reprends-toi le trap. Fin du dernier round, la décision finale ne va pas tarder à tomber. Tonight, the judges have reached a unanimous decision. Your winner, the Dragon Lee! Le verdict est tombé, on en reste là. Merci à Jean-Claude de nous avoir accompagnés. Merci à vous tous qui nous regardez. Bonne soirée à tous.